Voici Merci le vent d'Édouard Manceau aux éditions Milan. Tiens, un petit morceau de papier. Oh, maintenant il y en a deux. Puis trois. En voilà encore d'autres. D'où viennent-ils? À qui sont-ils? Ils sont à moi, dit la poule. Je les ai trouvés la première. Oh non! Ils sont à moi, répond le poisson. C'est moi qui ai découpé ces petits morceaux de papier que la poule a trouvés. Certainement pas. Ils sont à moi, gazouille l'oiseau. C'est moi qui ai fabriqué ce papier dans lequel le poisson a découpé les petits morceaux que la poule a trouvés. Mais non, pas du tout. « Ils sont à moi, » susurre l'escargot. « C'est moi qui ai coupé le bois pour que l'oiseau fabrique le papier dans lequel le poisson a découpé les petits morceaux que la poule a trouvés. »« Quoi, quoi, quoi? Ils sont à moi !» Quoi, c'est la grenouille. « C'est moi qui ai déniché l'arbre qui a servi à faire le bois que l'escargot a coupé pour que l'oiseau fabrique le papier. » Dans lequel le poisson a découpé les petits morceaux que la poule a trouvés. Silence! Ils sont à moi, murmure le vent. Personne ne me voit. Mais c'est moi qui ai soufflé de toutes mes forces pour faire tomber l'arbre que la grenouille a déniché. Et qui a servi à faire le bois que l'escargot a coupé, pour que l'oiseau fabrique le papier dans lequel le poisson a découpé les petits morceaux que la poule a trouvés. Et je souffle sur les petits morceaux de papier pour les faire voler d'un dernier souffle. Je vais les déposer à vos pieds. Je vous les donne. Prenez-les et faites-en ce que vous voulez.